par une sombre nuit de 1770, arrive au château de Tavernet Joseph Balsam. Le vieux baron lui offre l'hospitalité à contre-cœur, car il est ruiné. Joseph Balsamo, saisi par la beauté d'André, fille du baron de Tavernet, utilise le don de médium de la jeune fille. Elle lui révèle ainsi l'arrivée de Marie-Antoinette, dauphine de France, venant de Vienne en direction de Paris, et qui fait halte au château de Tavernet. Elle est précédée de Philippe de Maisonrouge, frère d'André, ambassadeur amoureux de la future reine de France. À l'annonce de l'arrivée de la dauphine, le baron de Tavernet, désespéré, tente de brûler son château. Joseph Balsamo l'en dissuade et dissimule Nicole, la servante d'André, dont la ressemblance avec la dauphine pourrait nuire à ses sombres projets. Celle-ci est amoureuse de Gilbert, frère de lait d'André, mais il la repousse violemment, car en secret il aime éperdument Mademoiselle André. Arrivée à Tavernet, Marie-Antoinette provoque Balsamo. Celui-ci lui dévoile dans une carafe son terrible destin et celui de la monarchie. Puis il disparaît. Revenue à elle, la dauphine, séduite par le frère et la sœur, décide de les emmener avec elle à Versailles. Resté seul au château, Gilbert reprend sa liberté et court vers Paris. En chemin, il rencontre un promeneur solitaire qui nourrit les oiseaux. C'est Jean-Jacques Rousseau, l'homme qu'il admire le plus. Maître Rousseau décide de faire de Gilbert son élève. Dire que j'étais marié. Ma femme va sans doute me disputer de rentrer si tard. Et puis elle déteste les étrangers. Mais alors monsieur voudrait mieux... Ah, pas du tout. Je vous ai invité chez moi, venez. Et ce sera sans doute un mauvais moment à passer, mais bon. Montre ici. Sous paye belle heure, Jacques. Vous n'avez donc aucun respect pour moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne pouvez plus porter toute votre luzerne vous-même. Monsieur Jacques devient grand seigneur, il prend un commissionnaire. Calmons-nous, Thérèse, calmons-nous. Payez-le vite et qu'il déguerpisse, je ne veux pas d'espion chez moi. Ce jeune homme n'est ni un commissionnaire ni un espion, c'est un invité que je vous amène. Un invité? Seigneur Dieu, Jacques est devenu fou. Ma chère Thérèse, nous avons chaud et soif, notre invité et moi. En effet, passer sa journée à traîner dans les bois, et se baisser de temps en temps pour ramasser un brin de chien-dent, c'est si fatigant, m'en parlez pas. Monsieur aussi est herboriste, pas vrai? C'est le métier de ceux qui n'en ont pas. Monsieur est un bon et loyal jeune homme que ma petite Thérèse va recevoir comme un fils. Je vous préviens qu'il n'y a presque plus de pain et que je ne redescendrai pas 3 étages pour en chercher. Faudra-t-il donc que je redescende, moi? Bon, inutile de gronder, on fera avec ce qu'il y aura. Tiens,
Je vois un demi-pain que j'avais oublié. Là. Quelqu'un est venu aujourd'hui? Toute la terre, comme d'habitude. Madame de Boufflers s'est venue chercher ses quatre cahiers. Madame d'Escard, ses deux airs. Et Madame de Panthière a envoyé prendre son quatuor. Il faudra faire un lit pour ce jeune homme, ma femme. Un lit? Vous voulez donc tenir pension à présent? Ne comptez pas sur moi. Il me suffit d'être votre bonne à tout faire, je ne serai pas celle des autres. Thérèse, ce jeune homme vient pour la première fois à Paris. Et sous ma conduite, je ne veux pas qu'il aille à l'auberge. Si vous ne trouvez rien pour le coucher, il dormira dans mon lit. Bon, on lui mettra une paillasse dans votre cabinet de travail. Non, sa chandelle pourrait mettre le feu à mes papiers. Beau malheur. Dans le vestibule, alors, devant le buffet? Non. Nous le mettrons dans la mansarde. Avec une vue sur des jardins magnifiques, ce qui est rare à Paris. C'est là que j'étends mon linge et que je mets mes haricots à sécher. Ce jeune homme prendra soin de ne pas salir votre linge et de ne pas manger vos haricots. Non, voyez-vous, ma chère, Paris est un séjour pernicieux. Je ne veux pas que ce jeune homme aille à sa perte. Il paiera donc pension? Mais il vous coûtera rien. Comme on s'entraide entre fainéants. Monsieur, j'ai aperçu tout à l'heure près du pont neuf des arbres sous lesquels il y a des bancs. J'irai m'y installer pour dormir. Mais le guet vous arrêtera comme un vagabond. Qui l'est? Mon ami, vous êtes chez moi. Vous y dormirez et vous y demeurerez tant que je ne vous mettrai pas à la porte. Et après nous le déluge. Petite marchande ne me tentait guère. Il me fallait des demoiselles. Ce n'est pas la vanité de l'état et du rang qui m'attire. C'est un teint mieux conservé, de plus belles mains, un air de délicatesse sur toute la personne. Les chutes de ma femme, mon ami. Rien, monsieur. Absolument rien. Que?
maison de derrière est habitée maintenant. Et par des gens qui se montrent la mienne. Restez-là, s'il vous plaît. Vous connaissez ces femmes? Et vice-versa, c'est un secret, monsieur. Traître. Je connais les secrets de cette espèce. Tu es une créature des crimes. Et des dolbards, ils t'ont payé pour capter ma bienveillance. Judas, tu t'es introduit chez Jean-Jacques Rousseau et tu le livres à ses ennemis. Jean-Jacques Rousseau, assez de comédie, misérable espion, tu es démasqué. Quel genre de fais-tu me vendre, hein? Monsieur, maître, je vous jure... Il y a un mot, on m'a trop trahi, rogné, vendu, livré. Je n'ai plus confiance en l'homme. Sortez de chez moi. Par pitié. Je suis impitoyable. L'injustice des hommes m'a rendu plus féroce que le tigre. Allez donc rejoindre mes ennemis. Monsieur, ce ne sont pas vos ennemis, ce sont Mademoiselle André et Nicole. Qu'est-ce que c'est, Mademoiselle André? La fille du baron de Tavernet. Je l'aime, monsieur. C'est elle que j'ai suivie à pied, sans argent, depuis le fond de notre province. C'est elle que je m'apprête à rechercher dans tout Paris, dans tout Versailles, et que je retrouve ce matin dans cette maison derrière la vôtre. C'est pour André de Tavernet que je voudrais devenir Turenne, Richelieu, ou Jean-Jacques Rousseau. Pourquoi ne m'avoir pas aussitôt dit la vérité? Parce que je suis un menteur, monsieur. Tant pis si vous ne comprenez pas parler de mensonge. Je pars désespéré et vous aurez mon désespoir sur la conscience. Si vous êtes aussi follement amoureux que vous le dites, vous connaîtrez assez tout votre malheur. Assez sur le sujet, hein? Hey, venez. J'ai du travail pour vous. La vieille tête lui fait peur. Votre jeune figure ne l'effrayait pas tout à l'heure. Belle jeunesse. Bon, allez, dépêchez-vous. J'ai l'intention de vous apprendre à copier de la musique. Eh bien, mon père, êtes-vous prêt? Tu le vois. Es-tu certain que nous serons bien placés pour jouir du feu d'artifice, au moins? Si je ne suis pas au premier rang, je te promets un beau scandale. Hein? Mon père, nous sommes au nombre des invités personnels de Madame la Dauphine. Je ne peux rien vous offrir de mieux. Ah, elle est bien mignonne, la petite Autrichienne. Morbleu, j'aurai 20 ans de moins, je serai à ta place. Vous en prie. Oh, ne fais pas ton cagot. Toutes les femmes sont sur terre pour qu'on les regarde. Et si elles sont bien tournées, le devoir de chaque homme est de s'y intéresser. Qu'elles soient dauphines, reines ou impératrices. J'ai appris par ce vieux drille de Richelieu que la nuit de noces avait été un fiasco complet. Je me demande où le maréchal va pêcher ses ragots. Oh, la meilleure des sources. Les confidences du roi. Regarde, sa majesté est très déçue du peu de capacité du dauphin, au moins dans cette spécialité. C'est très ennuyeux. Surtout pour la dauphine, qui m'a l'air d'avoir un sacré tempérament. Mon père, oubliez-vous que vous parlez de la princesse à qui nous devons notre nouvelle fortune? Oh, diable, si je l'oublie, mais si en plus elle a un bon tempérament, cela ne fait qu'affirmer ma reconnaissance, je t'assure. Ah, te voilà, ma petite fille. Mais tu ne portes pas de perruque? Non, mon père. Je trouve ça mal commode et passablement ridicule. Ah, tu es bien ma fille. Mais quand tu seras à la cour, tu seras bien obligée d'en porter une. Oui, eh bien, pour l'instant, nous allons seulement au feu d'artifice. Partons-nous? Nous t'attendions. Allez, allons-y.
Pas d'orage en vue, j'espère. L'orage était pour le feu d'artifice de Versailles, monsieur. À Paris, nous ne craignons rien. À Paris, nous ne craignons rien. Mais le rustre se prend déjà pour un Parisien. Allez, fiche pas le camp, je donne plus de femme. Allez, hop. Allez, la smicain, et au trot. Il y a eu un malheur effroyable. Quoi ? Madame Dutour-en-Verne m'a tout raconté, c'est épouvantable. Mais quoi ? Le feu d'artifice est parti trop tôt, à tort et à travers, au milieu des gens. Au moins 300 000 sur la place Louis XV. Hein ? Oui, il y a une horrible panique. Les femmes, les enfants, les chevaux écrasés, piétinés, massacrés. Dieu, mais c'est horrible. C'est un malheur considérable. Pensez, pour célébrer le mariage du dauphin avec l'Autrichienne. On peut dire que ce mariage part du mauvais pied. Qu'est-ce qui vous prend, Jacques ? Jacques ! Où allez-vous ? Là où m'appelle l'amour de l'humanité, Thérèse. L'amour de l'humanité à d'autres. Au prétexte pour courir la gueuse, oui. Entrez ! Entrez ! André, je cherche un jeune homme qui est venu voir le feu d'artifice. Un provincial qui ne savait rien des dangers de Paris. Je cherche ma sœur, monsieur, qui est provinciale elle aussi. Je l'ai perdue par là-bas et la foule l'a emportée vers la rue de la Madeleine. Ma sœur tenait. Elle portait une robe blanche. Aidez-moi, monsieur, s'il vous plaît. C'est lui ! Gilbert ? Vous le connaissez donc ? Mais oui, monsieur. C'est le fils d'un métayer de mon père. Quoi ? Vous êtes le. Philippe de Tavernay, chevalier de Maison Rouge. Gilbert. As-tu vu André ? As-tu vu André ? Quelqu'un pour sauver la vie d'un homme ! Mais allez ! Gens du peuple, d'abord. Ce blessé est un homme du peuple comme moi. Je m'appelle Jean-Jacques Rousseau. Ah, honneur aux citoyens de Genève.
honneur au libérateur de l'humanité. Merci, mais pour l'amour du ciel, soignez ce malheureux enfant. La poitrine a été rudement froissée. Mais vous n'avez rien à craindre pour sa vie. Où le conduirez-vous ? Chez moi. Deux hommes du peuple pour aider Jean-Jacques Rousseau. Merci, mes amis. Tous les hommes sont frères. Même les nobles et les riches ? Quand ils souffrent, oui, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Jean-Paul Marat, Suisse, comme vous. Je vous promets de m'en souvenir. Mais voulez-vous voir l'épaule de ce gentilhomme qui semble beaucoup souffrir, enfin. Je ne peux rien pour lui. L'épaule se remettra seule. Rien que des gens du peuple. Malheur aux riches et aux aristocrates. Adieu, monsieur. Je dois poursuivre ma recherche. Hélas. Prenez ma lanterne. Je n'en ai plus besoin et la vôtre s'éteint. Merci, monsieur. Mais il faut que je sache si ce morceau d'étoffe appartient à ma sœur. Je peux vous demander où vous habitez ? Ah, je ne donne jamais mon adresse. Mais je connais la vôtre. Et je vous ferai porter des nouvelles de ce malheureux enfant. Adieu. Adieu, monsieur. J'ai des morts par centaines. Mais tu ne devais pas la quitter, malheureux ! J'ai une épaule brisée, mon père. Ma fille. Mon enfant. Rassurez-vous, elle n'est qu'évanouie. J'étais assez heureux pour la reconnaître et l'arracher à la foule qui l'emportait. Ah, monsieur. Ma fille vous doit la vie, moi aussi. Car je ne lui aurais pas survécu. J'en suis fier et heureux. Bonne nuit, messieurs. Philippe, mon père, que s'est-il donc passé ? Rien, 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 mon enfant. Tout va bien, tout va bien. Aïe ! Oh ! Souffrez-vous, mon ami. Grâce à qui suis-je encore en vie ? Grâce à celui qui veille sur nous tous. Quelle imprudence aussi d'aller vous mélanger à toute cette populace. Ça a été aussi affreux qu'on le dit. Plus tard, Thérèse. Le médecin pense que d'ici quelques jours, vous serez debout. Reposez-vous, pensez à ces malheureux qui ont tout perdu dans cette horrible affaire. Et louez Dieu. Je vous ai concocté moi-même cette tisane avec du tilleul et de l'aubépine cueillie par Monsieur Jacques. Buvez-en tant et plus. Vous dormirez comme l'enfant Jésus. Annie, bientôt.
Alors. Tu te sens mieux? Oui. Mais Silas. Par quel miracle as-tu échappé à ce massacre? Je t'ai vu arracher à mon bras. Tu disparaissais dans la foule, un cheval furieux se précipitait sur moi. Je me souviens seulement d'un soldat qui s'ouvrait un passage au milieu de la presse à grands coups d'épée. Il allait me tuer, et puis deux mains m'ont saisi à la taille, à l'instant où sa lame allait m'atteindre. Ensuite, je ne me souviens plus de rien. Madame la Dauphine a fait prendre de tes nouvelles. Elle reste à Trianon pour soigner ses blessés. Oh mon Dieu, Philippe, ils sont si nombreux. Oui, des milliers. Et parmi eux, beaucoup de gens bien nés. Le peuple aussi a souffert, bien sûr. Le dauphin a fait envoyer les 2000 écus de sa pension au lieutenant de police pour venir en aide aux petites gens. Oh, le dauphin et la dauphine aiment à faire le bien. Le peuple les aimera. Chacun en est persuadé. Tu sais que j'ai fait une étrange rencontre pendant que j'étais à ta recherche. Qui? Gilbert, mon frère de lait. Lui aussi a été pris dans la mêlée. Mais notre père ne lui avait-il pas confié la garde de Tavernet? Ah ben, il faut croire qu'une affaire plus urgente l'a tiré à Paris. Mais il y a beaucoup plus extraordinaire encore. Figure-toi que notre philosophe de Gilbert est devenu le protégé de Jean-Jacques Rousseau. Tiens. Mais ta robe est déchirée? Comment? Oui. C'est dommage. Tant blanc que tu es la plus belle. Ne bougez pas, mon garçon. Je crois que vous voici tiré d'affaire. Vraiment? Oui. Le médecin admire la robustesse de votre constitution. On voit bien que vous avez grandi à la campagne, comme Mademoiselle André. C'est elle que vous suiviez quand vous avez été pris dans la mêlée de la place Louis XV. Ne dites rien. Je ne veux plus que vous mentiez. Quand je vous ai retrouvé, vous serriez dans votre main comme le plus précieux des trésors un morceau de sa robe blanche. C'est vrai, monsieur. C'était elle que je suivais. Je l'ai sauvée une première fois. À l'instant où un soldat brandissait son épée au-dessus d'elle. Puis, nous avons failli sombrer dans la foule, elle et moi. Alors j'ai aperçu un homme que je connaissais, juché sur une borne. J'ai crié vers lui. Il a saisi André dans ses bras avec une force surhumaine, et la foule m'a emporté. Qui était donc cet homme? Un personnage étrange, qui est venu à Tavernet la veille du jour où la dauphine nous a rendu visite. Il s'appelle Joseph Balsamo. On m'a parlé de lui. Un sorcier? Il possède des pouvoirs hors du commun. Oh, c'est un fiefé charlatan. Ni Versailles ni Paris ne peuvent se passer de leur sorcier patenté ni de leur empoisonneuse diplômée. Mais monsieur, j'ai vu Balsamo faire des choses inimaginables. Je connais ce genre d'imposteur sur le bout du doigt. Celui-ci a eu le bon goût de ramener Mademoiselle André saine et sauve chez son père. Oh, Dieu soit loué. Bon, allez, oublions ces fariboles. Nous avons un très gros travail devant nous ces jours-ci. Vous sentez-vous assez fort pour vous y remettre dès demain? Bien sûr, monsieur. Après une bonne nuit de sommeil, je m'apprête à dormir quand vous êtes entré. Parfait. Je vais souper chez mon ami Jussieu, le prince des botanistes.
Je ne vous reverrai donc pas ce soir. Reposez-vous bien. Il va s'agir de travailler dur si vous voulez gagner vos 3 francs quotidiens. Et songez que les études sont longues pour devenir un grand médecin. Je viendrai vous éveiller demain, à 6 heures. Tâchez de ne faire que des rêves raisonnables. Où Mademoiselle André ne joue qu'un rôle décent. L'étoffe se soit trouvée dans la main de Gilbert qui aurait dû lui-même être à Tavernet. Mais je n'en sais rien, Philippe. Mais où est-on cette année, Nicole? On entre ici sans lumière à présent. Alors, comment te sens-tu, mon enfant? De mieux en mieux. Ah, alors dépêche-toi de te remettre sur pied. Je viens de voir Madame la Dauphine à Versailles, elle t'attend. Elle attend André? Oui, mon fils. Oui, son Altesse Royale s'installe au Quai Trianon. Et elle entend que ces demoiselles d'honneur y habitent avec elle. Dès que tu es sur pied, tu fais donc ton entrée à la cour. Moi? À la cour? Oui, enfin, c'est une façon de parler. Le dauphin et la dauphine ont des goûts sédentaires. Et le petit Trianon leur plaît mieux que Versailles. Vous y vivrez en famille. Mais je crois que ces petites réunions familiales seront furieusement cherchées. Trianon à Versailles, la cour est toujours la cour, ma sœur. Je me sens bien empruntée pour affronter toutes ces lumières. Tu oublies que tu es une tavernée mais sans rouge. Tu brilleras à la cour. Et nous redeviendrons riches. Ton frère aura un régiment, toi une dot, et moi... Mais on trouvera bien quelque chose. Enfin, mon père, je... Ah, ne fais pas l'embarras, s'il te plaît, hein? Aller à la cour, c'est aller à la bataille. Et on ne va pas à la bataille avec des chichis. Enfin, tu as de l'éducation. Tu es musicienne, tu sais dessiner, peindre.
surtout les vaches et les moutons. Alors ça, ça tombe bien, la dauphine adore les vaches et les moutons. Tu as de la conversation, et enfin tu es belle. Eh bien, si avec ça tu ne deviens pas la coqueluche de la cour, j'avale mon épée. Je serai séparée de vous. Bon, si tu vas à Trianon, je serais bien y aller moi aussi. De toute manière, tu y vas, c'est un ordre de la dauphine. Hein? Ah, le roi m'a fait remettre 500 louis. Pense à tes toilettes. Merci, mon père. Philippe, tu viendras choisir mes robes avec moi. Voilà, voilà bien les femmes. Il y a 5 minutes, elle ne voulait rien, et maintenant elle mettrait l'empereur de Chine sur la braille. Nicole! Nicole! Ah, mais Nicole n'est donc pas là pour m'éclairer jusqu'à ma chambre? Je vous accompagne, mon père. Bonne nuit, André. Tu veux que je sonne Nicole? Non, Philippe. Je me déshabillerai seule. Merci. Prêt, Gilbert, c'est bien. Une vie libre est une vie où l'on sait être prêt quand il faut. Venez, je vous ai préparé votre travail. Monsieur, j'ai réfléchi. Vous avez réfléchi? À quoi je vous prie? Je serais désespéré si vous deviez vous mettre en colère. Mais pourquoi tous ces détours? Quoi que vous ayez à me dire, dites-le sans traîner. Monsieur, je crois que je ne suis pas fait pour vivre à Paris. Ma compagnie vous pèse peut-être. Mais non. Vous savez bien qu'à mes yeux, il n'existe pas au monde de plus grand homme que vous. Que suis-je auprès de Jean-Jacques Rousseau? Un ignorant, un balourd, une bûche. Monsieur, je crois qu'il vaut mieux que je retourne à la nature. N'avez-vous pas écrit que là était le séjour du bonheur et de l'innocence? Je ne suis pas fait pour vivre à Paris, moi qui ai passé toute mon enfance dans les champs et les bois. D'ailleurs, vous avez bien vu, à peine arrivé à Paris, j'ai failli périr écrasé par la foule. Non, il me faut de l'herbe, des arbres, des fleurs autour de moi. Tu veux donc rentrer dans ton hameau natal, mon enfant? Oh, c'est trop loin d'ici. Et puis là-bas, je n'ai plus personne. Non. Vous êtes un ami de monsieur de Jussieu, je crois. Ah, pardieu, j'ai soupé avec lui hier soir. Et monsieur de Jussieu, n'a-t-il pas la haute main sur les jardins de Trianon? Gilbert? J'y ai trouvé du travail, mademoiselle. Car il faut bien vivre, et vivre honnêtement. Peut-on savoir pourquoi vous avez quitté Tavernet? Mon père vous en avait confié la garde, il me semble. Et qu'est-ce que j'aurais fait à Tavernet, je vous prie? J'y serais mort de désespoir, d'ignorance et de faim. Et qui donc vous a fait entrer ici? Monsieur de Jussieu a bien voulu m'accorder sa protection. À la demande de mon protecteur, qui est Jean-Jacques Rousseau. Eh bien, bon courage, mon ami. Vous vous portez mieux, mademoiselle André? Pourquoi cette question? J'ai su que vous aviez été prise dans la mêlée le soir du feu d'artifice. Oh oui, ce n'était rien. Bonjour. Mademoiselle, ne veut pas accepter une rose? Il me semble que vous m'offrez là quelque chose qui ne vous appartient pas. Thank you.
courez-vous si vite, mademoiselle? Oh, mon Dieu! Pardonnez-moi, j'ai de si mauvais yeux que je suis forcé de vous demander votre nom. Mademoiselle de Tavernay, sire. J'allais rejoindre madame la dauphine qui m'attend. Non. Vrai? Figurez-vous que je vais lui rendre visite, moi aussi. En voisin de campagne. Je vais vous y conduire. Acceptez mon bras, je vous prie. Le roi! Peut-on souper chez vous, ma fille? Pour venir ici, j'ai traversé tout le parc à pied. Par bonheur, j'ai rencontré mademoiselle de Tavernay, qui a bien voulu m'accompagner. J'allais vous gronder d'arriver si tard, mais je vous remercie au contraire, puisque vous nous amenez sa majesté. Voulez-vous prendre place, père? Monsieur le maréchal, mademoiselle de Tavernay a dû se retirer dans ma chambre pour me faire la lecture après souper. Appelez-la donc. Avec la permission de madame de Noailles, nous dérogerons ce soir à l'étiquette. Mettez-vous là, mademoiselle. Eh bien, Luc, vous faites toujours bon ménage avec madame de Noailles? Le meilleur du monde, sire. Madame de Noailles m'honore toujours de ses mauvais traitements. Grandement mérité, d'ailleurs. Vous êtes seule à Trianon, mademoiselle? Oui, sire. Ma famille est demeurée à Paris quand son Altesse a bien voulu m'appeler auprès d'elle. Puis-je risquer un mot à ce propos, sire? Comment, vous connaissez déjà mademoiselle de Tavernay? Je n'avais pas l'honneur de connaître mademoiselle, mais son père, oui. Le Tavernay Maison Rouge était mon aide de camp au siège de Philippsbourg. Tiens. Et qu'est-il devenu? Il a connu quelques revers de fortune. Son fils est plein de mérite, mais pauvre. Une auguste princesse a bien voulu lui promettre un brevet de capitaine. Mais un capitaine sans compagnie, n'est-ce pas? Je vois. Et cette auguste princesse, c'est vous, ma fille. En effet, sire. À Vienne, j'avais fait le vœu d'assurer la fortune du premier Français que je rencontrerai en pénétrant dans le royaume. Et c'était le chevalier de Maison Rouge, le propre frère de mademoiselle. Il s'appelle Philippe, je crois. Oui, madame. Ah, une compagnie pour Philippe. Dites au moins que cela vous ferait plaisir, mademoiselle. Oh, sire, je vous en supplie. Accordé. Dites que choisissez une bonne compagnie pour ce jeune homme. Mais pas trop cher, si possible. Vous avez besoin d'écrire cette bonne nouvelle à Paris. Vous pouvez vous retirer. On m'a dit que vous connaissiez par cœur certains airs du devin du village. Est-ce vrai? Je les ai connus, mais ma mémoire... Est-ce que cela vous déplairait si nous représentions le devin du village sur le théâtre de Trianon? Vous? Oui, avec quelques amis. Il y a d'excellents comédiens autour de votre majesté, je crois. Oh, ça, énormément. Mais pas tous excellents. Enfin, essayez-les donc. Nous verrons quels sont les meilleurs. Ha 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 ha.
Mais c'est le duc de Richelieu. Monseigneur. Sacrebleu. C'est à s'y méprendre. Annoncez-moi, petite. Monsieur le duc de Richelieu. Oh, monsieur le duc. Si grand honneur. C'est-tu ce qui m'amène chez toi à 11 heures du soir, baron? Non. Le roi a donné une compagnie à ton fils. Vous, qui te moque de moi? Ce serait une plaisanterie bien fatigante pour un vieux bonhomme comme moi. Trahir, n'en est pas si près de la rue Coquéron. Et c'est toi qui as demandé à Sa Majesté? Tu es un véritable ami. Tu en doutais. Ton fils est un charmant garçon. Mais tu ne m'avais pas dit que tu avais aussi une fille à Trianon. C'est vrai, elle est au service de la dauphine. Oui, j'ai passé la soirée avec elle. Et j'ai parlé d'elle près d'une heure avec le roi. Avec le roi? Je te choque en disant cela, parce que le roi a de mauvaise humeur. Le roi a les mœurs qu'il veut. Hein. Bien sûr. Mais c'est tout de même choquant pour nous autres gentilshommes de voir vers qui s'abaisse le roi de France. Après la Pompadour, la du Barry, qui s'appelle tout bonnement Jeanneton, et après elle, Dieu sait qui nous aurons. Tu m'humilies d'abaisser nos blasons devant ça. Vois-tu, il y aurait un rôle superbe à jouer pour une femme d'esprit qui voudrait relever la France. Ta fille a de l'esprit. Énormément. Et elle est bien belle. Il faut soigner ce trésor-là, mon vieil ami. Elle n'a pas le luxe qui convient à une si belle fleur. Il lui faut au moins une femme de chambre. Qu'est-ce que c'est que cette jolie fille qui m'a ouvert la porte? Nicole? Oui. Ah, on ne peut pas envoyer Nicole à Trianon, tu as vu la ressemblance? Avec quoi? Nicole! Approche. C'est vrai, oui. Il y a une ressemblance. Nicole, mon enfant. Voulez-vous venir à Trianon? Nicole? Que faites-vous là? Mademoiselle m'oubliait, alors. Je suis venue. Si je vous oubliais, c'est que j'avais mes raisons. Vous allez rentrer à Paris. Mademoiselle n'est pas très attachée aux gens qui l'ont servi de leur mieux. Mon père a besoin de vous, moi non. Qui vous a permis de venir ici? C'est un beau grand seigneur qui en a décidé ainsi. Quel beau grand seigneur? Celui qui a fait donner une compagnie à Monsieur Philippe. Le maréchal? Il a dit que ce n'était pas possible de vous laisser ici sans femme de chambre. Monsieur le baron m'a donné cette lettre pour vous. Ma chère André, Sa Majesté a remarqué que vous manquiez de toilette et de domestique. Prenez donc Nicole, qui vaut à elle seule tous les gens qui vous seraient nécessaires. Eh bien, restez donc, puisque mon père le veut. Merci, mademoiselle.
reste du drôle. Ah, oh, mais je le connais, ce drôle. Mais qu'est-ce que tu fais ici, coquin? Vous voyez bien, je travaille. Ah oui, et ma maison, hein? Qui est-ce qui la surveille? C'est les raves. Viens ici, sur le champ. Oh. Yes. Une nommée Jeanne Bécu, comtesse du Barry. Elle a l'air folle de rage. Tant mieux. Oh, pourquoi? Parce qu'elle a deviné qu'elle avait une rivale. Et dangereuse. Et Gilbert, où est-il passé? Allez, roule. Mais... Allez. Vous avez manqué la répétition, Duc. Ce n'est pas bien à vous, puisqu'il paraît que vous avez distribué les rôles. C'est que le service du roi m'appelait à Paris, sire. Oui, c'est vrai. Et vous avez bien rempli votre mission? J'espère que votre majesté n'en sera pas trop mécontente. Parfait. Parfait. Eh bien, ma fille, ce spectacle m'a paru très amusant. Oh, mais il y a encore beaucoup à faire, je crois, avant de le montrer au public. Ah, monsieur le maréchal, en votre absence, je prie sur moi de modifier un peu la distribution. Vraiment? Oui, nous avons essayé Mademoiselle de Tavernet dans le rôle de Colette. Une vraie découverte, Duc. Cet enfant chante comme un ange, oui. N'est-ce pas, mon père? Vous savez, pour entendre et reconnaître une seule voix au milieu de ce cœur magnifique, il faut être... plus musicien que je ne le suis. Votre Majesté me fera-t-elle l'honneur de venir souper à Trianon? Non, non, ma fille, je suis un petit peu fatiguée ce soir. Oh. Toute votre jeunesse m'étourdirait. Non, je souperai seul. Bonsoir, mon père. Bonsoir, sire. Bonsoir, mes enfants. Attendez, Duc, j'ai à vous entretenir un instant de quelques... petites affaires d'État. Oh, je n'ose même plus souhaiter la bonne nuit à ce grand bonnet de dauphin. Il n'a déjà que trop bon sommeil comme ça. Et elle, qui ne dort jamais. Ah, je me demande comment tout ça va se terminer, Duc. Par le réveil de Monseigneur le Dauphin, sire, n'en doutez pas. Dieu vous entende. Dites-moi, vous avez vu la comtesse? La comtesse. Et son carrosse vient de croiser le mien. Et comment vous a-t-elle paru? Elle m'a paru, comment dirais-je, perdue dans une profonde réflexion. Oui. Cela a commencé quand elle a rencontré cette charmante petite Tavernet au théâtre. Mais quand elle a entendu chanter, ça... réflexion n'a fait que s'approfondir davantage. Vous avez amené le gentilhomme? Comme sa majesté me l'avait ordonné. Parfait, alors voyez Champagne, qu'il vous remette ce que j'ai laissé sur la coiffeuse. Ensuite... Baron, ta fortune et celle de tes enfants se fait aussi vite que dans les contes de fées. En vérité? Nous avons déjà ton fils capitaine. Peut-être aurons-nous bientôt ta fille marquise. Quoi? Ma fille? Le roi est littéralement enchanté par Mademoiselle de Tavernet. Attends. Qu'est-ce que tu entends par enchanté? Quoi, l'idée que le roi soit charmé par la grâce, la beauté, le talent de ta fille te déplaît? Ah non, non, je n'ai pas dit ça. Oh, comme tu es vif. Mais si tu l'as dit. Ah non. Implicitement. La vertu de ta fille s'oppose à ce que sa majesté lui fasse un petit présent. Quel présent? Trois fois rien. Un collier de quelques milliers de livres ou une misère. N'en parlons pas.
Si c'est à moi que tu demandes de remettre l'écrin, les choses sont différentes. Ah. Ça devient légitime, paternel. Moral. Entre le charme de ta fille et l'enchantement du monarque, nous glissons la dignité du père. Et voilà. Oh, merci, Duc. Merci du fond du cœur. Dans un seul mot. Silence. Absolu. Si la Dubarry apprend que ta fille bénéficie de la faveur royale, elle est capable de tout. Et quand la Dubarry est capable de tout, avec sa majesté, on n'est plus sûr de rien. Comment doit-on interpréter un tel présent royal ? Gilbert sera-t-il régicide pour sauver celle qu'il aime? De quelle étrange maladie André de Tavernet souffre-t-elle pour faire fuir le roi et pour attendrir ainsi la dauphine? Vous le saurez dans le prochain épisode de La Comtesse de Charny.